Hoewel er ook vluchten zijn naar toeristische bestemmingen, blijft Liège Airport vooral een luchthaven voor vrachtvervoer. Elk jaar wordt hier meer dan 1 miljoen ton goederen verwerkt. 2 miljoen zelfs als je Liège Logistics meetelt. Het is dus een belangrijke vrachtluchthaven. On est top 5 européen, top 20 mondial. On est le leader en Europe au niveau de l'e-commerce. On est le plus gros aéroport en termes d'importation de flore, bien devant Amsterdam. C'est un pôle économique majeur en Wallonie et très important. On est passé du statut d'aéroport de nuit vers un aéroport de jour. 70% des vols sont aujourd'hui effectués, opérés de jour. Liège Airport is al aanzienlijk geëvolueerd, maar dit is pas het begin. Dankzij een nieuwe exploitatievergunning kan de luchthaven een omvangrijk masterplan uitvoeren. Alors le masterplan s'est basé sur un permis sur 20 ans, 500 millions d'euros d'investissement en autofinancement avec du crédit bancaire. On double la capacité des infrastructures, on double les volumes de cargo, on passe de numéro 5 européen en top 3 européen. On investit majoritairement dans la transformation digitale, dans l'environnement et également dans la mobilité. Donc l'équipe immobilière de Liège Airport va être évidemment très active dans la réalisation de ces investissements jusqu'en 2040. Nous sommes actifs dans la construction de bâtiments, la mise en location de ceux-ci, le facility management et la commercialisation des terrains. L'équipe IMO, c'est 16 personnes actuellement. Nous allons évidemment focaliser nos efforts sur la construction et l'expansion des bâtiments de première ligne, ainsi que la décarbonation du portefeuille immobilier existant. L'aéroport de Liège, en fait, ce n'est pas qu'un aéroport cargo. Nous gérons également 30 000 m² de bureaux. Et notre objectif, c'est évidemment de développer toute une communauté autour de l'aéroport avec des activités qui ne sont pas nécessairement liées avec l'aérien. Nous avons, entre autres, des projets, un projet de crèche, des projets hôteliers et de développement de l'offre Horeca. Sans oublier évidemment la disponibilité des terrains. Nous avons plus de 120 hectares de terrains à développer, dont 15 hectares sont déjà disponibles immédiatement en commercialisation. Liège Airport gebruikt nu vooral een combinatie van luchtweg, weglucht om de vracht te verwerken. Maar er is potentieel voor andere vormen van transport. De haven van Luik ligt op slechts enkele kilometers. De containerterminal voor wegrailvervoer van LLI ligt naast de luchthaven. Een combinatie van oplossingen is dus mogelijk. La multimodalité s'inscrit dans la nouvelle vision de l'aéroport. Outre des capacités aéroportuaires, nous allons également prendre une prise de participation dans un terminal ferroviaire et nous allons également concrétiser un accord marketing avec le port d'Anvers, avec le port autonome de Liège, qui est le troisième port fluvial européen, pour grosso modo mettre l'aéroport au centre d'un réseau de multimodalité. De intermodale shift van het masterplan betreft ook de mobiliteit van personen, aangezien de tewerkstelling in het ecosysteem van de luchthaven zal verdubbelen van 11.000 naar 22.000 werknemers en er zullen geleidelijk oplossingen worden geïntroduceerd om hun verplaatsingen te optimaliseren. Verkeersstromen zullen worden herzien en er komt infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in en rond de luchthaven.